Là, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre une plante qui a été endurcie et une autre qui a continué sa croissance sous lumière artificielle. Donc là, en l'occurrence, on a de la libèche. Donc, je vais vous montrer tout de suite les deux pots. Donc celle-ci-là, oh, je la pose là en attendant. Hop. Celle-ci-là, je viens juste de la sortir. Donc elle est encore sous lumière artificielle il y a 5 minutes. Et celle-ci, qui a été déjà endurcie depuis un peu plus de 2 semaines. Donc on voit tout de suite la différence par rapport au pied. Donc là, on a un pied qui est beaucoup plus costaud. On voit même la couleur, elle est rouge. Voilà. Et ça, hop, on va essayer de pas casser les plants. Et voilà donc la lumière, la livèche que je viens juste de sortir. Alors là, on voit, tu vois, le pied, il est quand même, malgré que ce soit sous lumière artificielle, on voit quand même la différence, quoi. Donc en fait, c'est même pas qu'une question de lumière, hein, c'est aussi une question de température. C'est-à-dire que la plante, on va l'habituer à des températures un peu plus fraîches. Donc elle va se renforcer. On voit vraiment la différence entre les deux plants. On voit bien, hein, le pied là à droite, il est beaucoup plus... les pieds sont beaucoup plus vigoureux. Donc celle de droite, ça fait 2 semaines qu'elle est en serre froide. Et celle-ci, je viens juste de la sortir. Donc je vais la mettre là à côté. Bon, elle va se renforcer aussi. Hein. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Pardon, un petit chat dans la gorge. C'est juste pour vous montrer la différence entre une plante qui a été endurcie et une plante qui ne l'a pas été. Donc, comme quoi, il est important, tu vois, c'est pareil pour les tomates. Les gens qui font de la tomate au bord d'une fenêtre, ben, ils sont pas beaux du tout, les pieds, hein, ils ont tendance à filer. Et puis, les pieds qui sont à l'extérieur, ben, ils vont être beaucoup plus vigoureux. Bon, ça, c'est les pieds de tomates précoces. Donc là, pareil, j'ai commencé à sortir tout ce qui est aubergine. Donc, là, c'est un pied, ça fait une semaine que celui-là, il est dehors. Et tout ça, ça a été mis hier. Donc ça, c'est des pieds d'aubergine. Ceux-là, je les ai mis hier. Et ça, c'est un pied de piment. Voilà. Celui-là, il a été mis en serre froide il y a une semaine. Là, maintenant, ils vont bien se... Ils vont bien s'endurcir, là, maintenant. Là, j'ai des beaux pieds de poivron aussi. Hop. Donc pareil, là ils vont s'endurcir. Il y en a qui ont déjà été repiqués là-bas au fond. Ceux-là, ils ont carrément déjà été repiqués dans les bacs, enfin dans un bac en serre froide. Donc voilà l'importance de bien penser à endurcir vos plants pour avoir des pieds beaucoup plus, des plants beaucoup plus vigoureux.